À la grande fontaine des Tuileries, le vent caresse des visages. C'est une fin d'après-midi qui semble manquer de courage. Est-ce que c'est con les canards à bouffer tout ce qu'on leur jette? Et ces garces de mouettes qui nous prennent de haut? Moi, un troupeau de chinois, et ce pigeon-là qui veut ma photo. C'est quoi cette histoire de vie qui défile sans qu'on puisse jamais l'arrêter? Lui dire hey, pep, deux minutes là, faut qu'on discute. Je voyais pas les choses comme ça. C'est pas toi qui décides, pas à chaque fois. Je te fais des grands signes et t'y vois que dalle. À croire que tu jouis quand on chiale. Tu bois quoi, rien? Un calva, sale putain. Je crains que bientôt tout me soit égal, que pour me parler il faille lever la main. Les gens font ce qu'on leur dit, c'est terrible. Combien de fois faut-il mourir pour être audible? Le monde s'en prend à nos tympans et on lui donne raison tous les jours. Tous les jours un peu plus sourd, tous les jours encore un peu plus. Parce que c'est dangereux tout ça. Vous êtes bien sur le répondeur de l'Europe. Nous sommes actuellement occupés à rédiger votre licenciement. Veuillez rappeler dans 100 ans, 3 guerres et 16 cracks boursiers. Bonne chance. J'ai une bombe à retardement qui en a marre d'être retardée, qui voudrait crever l'écran et vous présenter les JT. Simplement dire la vérité. Tadadam, mesdames et messieurs, bonsoir. Le capitalisme a tué l'existence en la privant de son humanité. Il est urgent d'en changer. Seuls quelques bandits y trouvent leur compte en nous réglant le nôtre. Sortez votre argent des banques, comme disait l'ami Canto. Désertez les grandes surfaces, déchirez toute la presse. Boycottez la télé et par pitié, ne votez plus. Je répète, ne votez plus. Si vous croyez que ces actes sont vains, détrompez-vous. Vous êtes en train d'inventer une puissance nouvelle. Celle qui pense et commence par dire non à tout. Ici le FMI, FMI, savez-vous à qui vous parlez? Nous avons le bras long, la bite à l'air et de quoi faire pression. Allez, détendez-vous. Cet été, j'ai passé mes vacances avec des amis de droite qui estiment que toute alternative au libéralisme revient à gaspiller sa salive et qu'il n'est pas très poli de cracher. Hier soir, j'ai embrassé une fille de 22 ans qui partait s'installer à New York. Je lui ai dit que 22 ans, c'était bien mieux que New York et que j'avais très envie d'elle. Il m'a semblé qu'elle aussi, et puis elle m'a déposé en taxi. Paris, 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 t'as les cheveux gris. Je sortirai pas de mon lit, pas aujourd'hui. Capici? Merde, je devais voir un concert avec Audrey et Arnaud. Bah j'irai pas au concert et je vais décevoir Arnaud. Un des seuls qui me restait à décevoir. Fallait bien que ça arrive. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Cyril. Je suis absent depuis un moment. Absent mais pas complètement cuit. Je reviendrai, c'est promis. Peut-être après le bip. Je suis finalement allé à ce concert et j'ai bien fait, car en écoutant ce collectif de jeunes premiers vociférer sur son public, ravi de saigner du nez, j'ai appris pas mal de choses sur mon métier. D'ailleurs, c'est en rentrant que j'ai fini ma chanson, ce mini-testament qui n'a rien à léguer. Quelquefois, c'est pratique de ne pas vivre de sa musique. Demain, je récupère mon fils, c'est bon ça. Mardi, il rentre en CE1. Dire que je me souviens du nom de ma prof, Madame Schmitt, elle avait la même coupe au bol que moi. Je pense qu'on va aller au cinéma revoir Le Petit Prince. C'est réussi ce qu'ils ont fait en animation. Puis j'ai grave besoin de dessiner un mouton.